Pour réaliser un balayage au peigne, nous devrons disposer d'une brosse pneumatique, d'un bol et d'un pinceau, d'un minuteur, d'un verre mesureur, d'un peigne de coupe classique, de coton et de pince. Nous allons réaliser un balayage au peigne avec une décoloration. La réalisation du balayage se fera sur toute la tête en progressant du bas vers le haut. Les partitions se feront horizontalement et respecteront l'emplacement de la raie à gauche qui correspond au sens du coiffage, en A sur le schéma. Le produit décolorant sera appliqué jusqu'aux pointes et de manière à mettre en valeur la coupe, en B. Commencez le procédé en sélectionnant les partitions du bas vers le haut. Préparez le mélange décolorant. À l'aide d'un pinceau, enduire l'extrémité du peigne des deux côtés. Déposez le produit des racines aux pointes. À chaque application, placez une bande de coton et ajoutez du produit sur les deux côtés du peigne. Laissez poser jusqu'à un maximum de 50 minutes. Enlevez les cotons, rincez et faire un shampoing technique. Reprenons les points importants. Brossez et placez les cheveux dans le sens du coiffage. Commencez le procédé en sélectionnant les partitions du bas vers le haut. Préparez le mélange décolorant. Enduire de produit l'extrémité du peigne. Déposez le produit des racines aux pointes. Placez une bande de coton entre chaque partition. Laissez poser. Rincez et faire un shampoing technique. Coiffez.